Centipede. Match à mort par équipe. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Big Day, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien, on se retrouve pour le nouvel épisode de la semaine spéciale Noël. Donc c'est le 4e épisode, si je ne me trompe pas. Alors, on est le 29, si je me trompe pas, ouais, voilà. Ça, on est le 29, donc demain le 31, le 30, pardon. Putain, je sais même plus compter. Désolé s'il n'y a pas eu d'épisode le 27, ni d'épisode le 28. C'est parce que le 27, j'étais en vacances, donc j'avais un jour de vacances et j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos tout de suite. Et le 28, ben c'est juste que j'étais en train de jouer à Ghost, tout simplement, pour vous faire une vidéo, tout simplement, des gameplays, tout ça. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, donc c'est mes impressions sur Call of Duty Ghost. Donc personnellement je l'ai eu à Noël, hein, voilà, donc je l'ai il y a récemment. Donc honnêtement, là la qualité qu'il y a à l'écran, c'est pas la bonne, c'est juste que j'avais mis un maximum de luminosité parce que je me rendais pas compte de ce que je faisais. Donc du coup il y avait trop de luminosité, donc là j'en ai enlevé un petit peu pour les prochains gameplays, vous le verrez. Alors, on va dire tout de suite les bases de Call of, enfin, mes impressions de ce Ghost. Alors, honnêtement, je le trouve plutôt bien fait, enfin, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est juste que les maps, ben, ça, par contre, vous avez dû déjà l'entendre pas mal et pas mal de fois, c'est que les maps sont un peu trop grandes à mon goût et il y a trop d'endroits de camp, je trouve. Et on meurt très facilement. Donc, ce qui fait que les gens, ils campent en même temps, je pense, pour pas mourir, mais en même temps du coup ça fausse un peu le gameplay, tout simplement parce que dès qu'on est en série tout ça, on se prend un campeur. Après je ne peux pas dire que je les comprends un petit peu, mais en même temps c'est un peu dégueulasse pour les adversaires parce que tout simplement c'est pas super loyal de camper, parce que d'un, en plus de camper, tout le monde peut y arriver. Donc enfin je trouve pas ça super, mais après voilà, hein. Donc là j'ai fait 5 kills sans mourir, donc voilà, le gameplay va pas être super. Je joue à l'AK-12 silencieux, juste silencieux, parce que c'était mes tout premiers niveaux, tout simplement parce que je venais de commencer. C'est pas un super score, je vais pas vous le spoiler. Et donc on va revenir, désolé de m'être interrompu sur le sujet principal. On va revenir au sujet principal. Donc déjà le problème c'est aussi qu'on meurt très rapidement. Mais bon, ça encore ça va à peu près, mais vous voyez, celui qui a le premier shoot souvent a gagné, enfin a tué l'adversaire, j'ai envie de dire, parce que sauf si vraiment il a une arme pourrie ou qu'il vise très mal, mais sinon il y a vraiment pas de problème pour lui. Donc honnêtement, moi je donnerais une note de 12 sur 20 à Call of Duty Ghost, parce que moi je l'aime bien, mais ce que je vous ai dit, on meurt trop facilement, et comme il y a trop de campeurs et que les maps sont un peu grandes, du coup ça fausse un peu tous les gameplays, tout ça, donc je peine un peu à m'y adapter, mais vous inquiétez pas, je vais m'y adapter pour vous faire des beaux gameplays, des beaux montages, tout ça. Ça arrive, faut juste que je m'habitue un petit peu. Et deuxièmement, on va parler des tout simplement des, comment dire, des armes cheatées ou pas. Alors honnêtement,
pour moi, hein, ça c'est mon avis personnel, je trouve que le problème c'est le fusil à pompe qui tue quand même. Enfin, il tue pas vite, on peut pas dire ça parce que ça c'est juste un fusil à pompe. Mais ce qui me gêne vraiment le plus là-dedans, c'est tout simplement que... Enfin, j'ai l'impression, après c'est peut-être une impression, mais qu'ils ont des grandes portées parce que tout à l'heure j'essayais de faire un gameplay et je me faisais mais vraiment mitraille partout. D'ailleurs, je sais même pas comment, mais voilà. Donc voilà, donc j'ai vu aussi vos petits commentaires donc qui essaient de trouver la vidéo surprise, ce que ça va être. Alors j'ai vu, il y a Skyrex qui avait mis que c'était une vidéo GTA 5. Et ben désolé pour toi, mais tu t'es gouré. Ça va pas être une surprise, donc je veux pas vous dire ce que c'est. Mais en tout cas, une vidéo GTA 5, il y en a une qui arrive très bientôt, enfin très prochainement, pardon, c'est même pas ce que j'ai dit. Donc je crois que c'est le 20, le 30 qu'elle sort. Ma vidéo sur GTA 5, ça va être une FAQ, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Enfin bref, le même blague d'habitude. Je sais, je me répète énormément, ça doit être grave chiant pour vous. Mais bon, voilà, j'ai terminé ma vidéo, c'est le principal. Donc moi, je vous dis à plus. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine, ciao.